J'espère que vous allez bien. Donc, je suis contente de vous retrouver. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous explique pourquoi. Je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo. Je vous expliquais que je venais d'acheter une nouvelle maison. Donc, je suis en plein travaux. On ne peut pas courir deux lièvres à la fois comme on le dit en Afrique. Donc, voilà, justement. Mais quand j'ai des petits moments de pause, là, j'ai un petit moment de pause. Donc, j'en profite de vous faire cette vidéo. La vidéo ne sera pas sur la mode, comme d'habitude, on va rester sur le bricolage. Parce que pour faire la mode, il faut que j'ai un endroit au moins correct, parce qu'à la maison, c'est un vrai, vrai bordel. Il y a des artisans un peu partout, donc il est difficile de faire une vidéo, même si j'ai assez confiance en moi. Mais je n'ai pas suffisamment confiance en moi pour faire, vous savez, le petit défilé, alors qu'il y a des ouvriers qui passent. Au spécial peinture. Je ne suis pas du tout peintre, je tiens à le préciser. Mon fils veut absolument un grand tableau dans sa chambre. J'ai pu acheter un tableau, mais à cet âge-là, ça change d'avis. Donc, je n'avais pas envie d'investir dans un tableau qui allait me coûter pas forcément cher, mais que j'aurais dû changer d'ici dans un, allez, on va dire, allez, deux mois. Le matériel ne m'a pas coûté cher, franchement. Et j'ai voulu tester et je le précise, je ne suis pas artiste, mais du tout. Donc, c'est mes délires à moi. Parfois, j'ai des idées, j'ai des délires, je me dis, tiens, pourquoi ne pas tenter? Et dans mes délires, j'ai envie de les partager avec vous. On aime ou on n'aime pas, ça, on s'en fout. Donc, vous laissez vos critiques, vous essayez. De toute manière, je vous laisserai le lien d'Instagram. C'est pas du tout. Je suis abonnée sur un compte Instagram où je trouve qu'ils ont pas mal d'idées assez quand même fantastiques et qui est facile à faire, à réaliser sur. Facile à réaliser, donc je vous mettrai le lien juste en bas, donc n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires, et je me reprécie, je sais, je me répète, je ne suis pas artiste, hein. C'est juste ce qu'il vous faut pour cela. J'ai acheté, je ne sais pas si vous allez le voir, ouais. Voilà, j'ai acheté ceci chez Action. Action, c'est un petit magasin, c'est une grosse chaîne, pas une petite magasin, c'est une grosse chaîne de, qui vend des... tout ce qui est déco maison et puis le bricolage. Et vraiment, ça m'a coûté 9 euros, 12 euros, je sais plus. Vous voyez, c'est pas bien cher. Et j'ai pris ça aussi chez Action, plusieurs couleurs. Vous prenez les couleurs de votre choix. Moi, j'ai pris du jaune, du blanc, du noir et tout, parce que mon fils est très fanat du rouge et du noir. Donc, on va partir sur cette base-là. Et comme il a un mur foncé, donc vraiment des couleurs assez flashy pour égayer son mur. Donc ça, ça m'a coûté à peu près, je pense, 1,99 €. Allez, on arrondit 2 euros. Pas bien cher et j'en ai pris au moins, j'en ai pris 6 au total. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Un tablier, parce qu'évidemment je n'ai pas envie de salir mon beau pull. Hein. Non, il vous faut une bâche en plastique pour protéger à même le sol, parce qu'une fois que c'est taché, bon, je n'ai pas embêté à tout nettoyer, alors que la bâche, une fois que c'est fait, c'est sali, on emballe, c'est poubelle et on n'en parle plus. Donc voilà, donc c'est parti, j'espère ne pas faire des bêtises. We'll be right back.
mes tableaux ont séché. Donc voilà, j'en suis fière. Mais il a quand même fallu attendre 48 heures pour les laisser sécher. Comme je vous l'explique au début de la vidéo, celui-ci, vous ne l'avez pas vu entièrement peint parce que malheureusement, ma batterie, je n'ai pas vérifié si mon appareil photo était chargé. Et celui-ci, du coup, j'ai dû faire un deuxième pour vous montrer quand même que c'est moi qui l'ai fait. Oui, moi. Bon, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'aime bien l'art abstrait. Mais comme je vous dis, en dépannage, ça ne me dérange pas. Le temps que je trouve chez un vrai artiste quelque chose de plus beau que ce que j'ai fait. Mais quand même, c'est pas vilain, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais essayer de vous le montrer. Voilà, c'est ce que j'ai fait en deuxième. Au départ, j'avais fait un autre qui était trop sombre. Mon époux n'aimait pas trop. Et celui-ci, on peut le poser, je pense, soit comme ceci, soit comme cela. Donc voilà, donc franchement, c'est pas vilain. Je trouve que c'est très très bien, c'est très réussi. Bon, très réussi. Je m'aime quand même, il faut quand même le dire. Je suis fière de ce que j'ai fait parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, ça donne bien. Donc j'espère que vous avez su apprécier ce que j'ai fait. Vous avez intérêt, hein, parce que je m'en suis mis un peu partout. Et je vous embrasse très fort et je vous dis peut-être à bientôt. Bisous!